Il est 18h, passé de quelques minutes au centre-ville de Dakar et les bouchons s'étalent sur plusieurs centaines de mètres. Au loin, entre les files de véhicules, nous apercevons l'imposante gare du train express régional, TER. Des dizaines d'usagers convergent vers le lieu pour regagner leur domicile. Au fil des mois, le TER est devenu une véritable alternative aux embouteillages. Énormément de temps. Présentement, comme moi, de Tcharoï à Dakar, 17 minutes, on est à Tcharoï, on est chez nous. Donc, si on prenait l'écart, on allait faire 2 heures de temps, ou plus même, à cause des embouteillages. Non, c'est confortable dans la mesure où il y a des tickets mensuels, des abonnements, 15 000 francs le mois. Ça nous revient à 500 francs le jour. Très controversé avant ses débuts, le TER est aujourd'hui globalement bien apprécié pour son utilité. Des usagers estiment que malgré le coût jugé onéreux par certains, l'investissement semble se justifier, surtout en cette période de Ramadan. Le train express régional est vraiment utile, même si c'est cher, ça vaut le coup. Son utilité est le plus important. Moi, j'habite Guédiaoyé dans la banlieue de Dakar. Si j'étais sur l'autoroute, j'allais rompre le jeûne dans les embouteillages. Ça nous permet d'être à temps chez nous. En plus, les gens viennent de plus en plus nombreux le prendre. D'ailleurs, au premier jour du Ramadan, il y avait des bousculades et des portes ont été endommagées. Mais maintenant, les gendarmes gèrent cela. Face à l'absence apparente de solution aux embouteillages qui étouffent Dakar, des automobilistes estiment qu'il est nécessaire d'étendre le TER et les chemins de fer à d'autres zones de la capitale et du reste du pays. Aujourd'hui, si, c'est vrai que si ça coûte 2 milliards, 5 milliards, 50 milliards, mais l'essentiel, les résultats sont en rendez-vous. Aujourd'hui, si on pouvait avoir la possibilité de desservir pratiquement presque les grands axes qui se trouvent au niveau de Dakar et même dans les régions, moi, je n'hésiterais pas à habiter en dehors de Dakar et prendre cela parce que là, au moins, je gère le temps. Et là, avec la route, je ne gère pas le temps. Pour beaucoup de Sénégalais, l'utilité principale du train express régional TER est le gain de temps qu'il offre dans une ville en proie aux embouteillages. Pour eux, il serait judicieux de généraliser des infrastructures de transport similaires en veillant au rapport qualité-prix. Seydina Ba Gueye pour VOA Afrique, Dakar.